lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière? Ça, je peux pas vous dire. Pas aller par quatre chemins, le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Élysée, c'est-à-dire des repas personnels avec ses amis, ses collaborateurs. Je suis pas sûre d'être à la hauteur, vous voyez. Le président pense le contraire. La présidente is quite good. I mean, I would appreciate. They didn't in the real life, but... Les gens que vous croisez, vous les saluez, tous. Je présente Monsieur Luchet. Madame. Monsieur. Je vous présente Monsieur Lepic, notre chef de cuisine. Non. Écoutez, on voit les présentations plus complètes une autre fois. Vous avez le sens de l'orientation? Pourquoi? Il faut une boussole? Excusez-moi, j'ai dû me tromper. Vous êtes? Je suis votre cuisinière, monsieur le président. And I had to make a living, to decide what I was going to make a living. And in fact, I had children and cooking, why not? Because all my family was cooking oriented and eating too. I just started. Cuisine privée de la présidence de la République, j'écoute. Nous allons commencer par une brouillade de cèpe au cerfeuil. J'ai besoin de retrouver le goût des choses. Un filet de bœuf en croûte de sel. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Et le bœuf de Coutances, vous connaissez? And you know, we say in France that to be a good cook, you need two things. It's the gift and the talent. The gift, I mean, it just happened. With the color of eyes, you know, it's the same. The parents give you this gift. It's, you know, à la naissance. And talent, it's when you work with this gift. Tarte pâtissière aux fruits rouges. C'est moi le dessert. Vous, c'est entrée, plat, fromage. Château Rayas, 1969. Vous savez s'il a fini son chou? Il l'a mangé avec plaisir. Parfait. Un bon point pour lui. On peut garder ce président à l'Élysée. Deux petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne. On vous fait des misères ces temps-ci, à moi aussi. Tout ce travail a un coût. Mais c'est beaucoup trop. Alors, si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus.